Eh bien, bien le bonsoir. Où est-ce qu'on est ce soir? Alors, la dernière fois qu'on s'était croisé, c'était sur Little Nightmares. J'allais dire Little Big Nightmares. Un gros mélange entre Little Big Nightmares et les cauchemars tout seuls. Sachant qu'en fait, le studio, quand même, est un peu coupable d'avoir commis les deux forfaits. Eh bien, je me suis dit, enfin, on m'a signalé, surtout, que si j'avais apprécié Little Nightmares, bah, il existait un autre jeu un petit peu dans le même genre qui serait supposé me plaire. Et ce jeu, ça n'est rien d'autre que le Inside qu'on va voir aujourd'hui, que je ne connais donc pas du tout. Donc je n'ai pas encore mis un pied dans le jeu, sachant que le jeu se résume à sa plus simple expression, comme vous allez le voir. Un bonhomme, moi de préférence. Un scrolling latéral dans une 2D ennemie volontaire. Non, ça ne ressemble pas à quoique. Et des actions qui se limitent à l'essentiel, c'est-à-dire hop, sauter et éventuellement attraper quelque chose. Enfin, faire une action sur quelque chose, sur un objet. Donc, j'espère que le compresseur vidéo va pas me faire les mêmes crasses que l'autre fois. Et qu'on va pouvoir passer une partie relativement paisible. Alors, on va voir ce qui se trame. Je ne sais pas du tout si je dois échapper à des choses, si je dois découvrir d'autres choses, passer des énigmes, si je peux même me planquer d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Jump. Ah oui, une belle idée encore de cette 3D exploitée sur un truc qui n'est rien d'autre qu'un scrolling latéral. C'est propre. C'est propre et on a encore une narration silencieuse, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup ces jeux quand leur efficacité de narration se résume sans nécessiter la moindre ligne de dialogue. Si c'est le cas là encore, ça va pas mal me plaire. Donc on voit qu'on n'est pas loin d'un camp de concentration. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas du tout où je suis. Hein. Les gens qui se font emmener dans les camions, c'est pas très rassurant. Enfin bon. Cours, petit bonhomme, cours. Je peux pas bouger la caméra comme dans Little Nightmares où je pouvais me déplacer un petit peu hors du cadre. Qu'est-ce qui se trame par ici? Trace. Bon, le rendu est un peu moins poussé que sur Little Nightmares encore, mais c'est pas faute d'être le premier à avoir fait ce genre de truc. Alors. Par contre, contrairement au soft précité, là on a une souplesse dans le personnage qui est absolument parfaite. Là, on pourrait faire du Tomb Raider là, avec cette souplesse-là. Gentil le chien, gentil. Je vérifie qu'il ne me part pas aux fesses. Ah, je crois que je vais être coincé dès le début du jeu. La grande classe. Bon, je sais pas si c'est mon écran qui est mal réglé, mais on n'y voit rien. C'est une bonne excuse encore. Il y a un truc à attraper, mais je ne le vois pas. Alors, agissons peu, agissons bien. C'est pour la planète.
À chaque fois, je reste coincé dans un logiciel. C'est une centrale atomique qui gaspille de l'électricité, je le rappelle. Et bordel de. Il y a bien un truc. On est bien d'accord. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Il n'y a rien qui se ramasse là. Non. Alors. Un petit jump tendu, ça ne le fait pas? Oh! Ish! Vous avez reconnu le fameux ish de chaque saut volontiers? Eh ben, je ne sais pas. Je suis coincé. Je vais aller voir sur le net la solution. Est-ce que j'ai le droit à un tweet à un ami? Non, parce que j'avais une idée de quelqu'un emmerdé pour me dépanner, mais bon, il est même pas connecté sur le chat. Je le vais. Si tu te reconnais et tu te reconnaîtras, sache que le prêté pour le rendu, je note. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce mur que je n'arrive pas à passer? Bah, je vais essayer tous les boutons de la manette. Il y a bien un truc. Non, je ne passerai pas. Hein. You shall not pass. Bon. Il y a une astuce. Non. Il n'y a pas d'objet à prendre. Le sauf, c'est quand même un scrolling horizontal hein, avec deux boutons et j'arrive à me merder royalement. Faut dire que je suis particulièrement malin. N'est-ce pas? Voilà. Non, tu veux pas, là, c'est pas bon. Bien. Bon, pas de souci d'interface pour l'instant, c'est très souple, ça va. Il y a juste le joueur qui est un peu nigaud. Oh merde. Ah, allez, Clemens! Gentil le chien. Gentil le chien. Il a l'air super sympa, ce chien! Bordel de. C'est à moi que tu waffes? C'est à moi que tu waffes? Non, mais c'est à moi que tu waffes! Sale chien. Eh ben, malgré toute ma grande passion pour la belle image, pour l'instant, ce jeu me plaît plus que Little Nightmares. La souplesse n'y est pas pour rien. Cette façon stylisée du rendu, elle n'est pas désagréable du tout. Donc on se retrouve face à quelque chose de cohérent et d'utilisable. C'est pas mal. Bon, par contre, ça m'emmerde qu'on soit vraiment sur un plan linéaire, quoi. Ce fut une excellente idée. Moi, je fatigue pas, ça va. Mais lui, je crois qu'il a pas fini de cavaler le pauvre. Qu'est-ce qui va encore t'arriver? Alors, c'est pénible, on ne peut pas se dévoiler le plus en avant de ce qu'il y a. C'est qu'on est obligé vraiment d'improviser. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Moi, je tabasse, mais ça va mal se passer. Coucou, je suis pas là. Apparemment, on ne plaisante pas trop ce soir dans le bayou. Alors. Mais t'as vu qu'il faut s'arrêter après le camping-car. Après tout le toit. Moi j'arrête plus de cavaler là, j'ai des hein. Fou, c'était le saut de la foi, ça encore. Saut de la foi, donc
Très heureux que ce soit pas copyrighté comme expression, sinon je coûterais un max de pognon. Les amis m'attendent là-haut. Je pense qu'ils me proposeront très très tôt des vêtements secs et un petit chocolat chaud. On est bien d'accord. Tu te fais pas tirer dessus, mon ami, hein? Là, c'est mal. T'as l'air con avec ton dard planté. Bon, replongée. Et ta base. La jauge de vie, on verra bien quand tu seras tout bleu, hein. Ah, il y avait des battements du cœur, ok. Ça va. C'est bien ça finalement qu'il n'y ait rien à l'écran pour estimer l'état de santé du petit tout. Bah, c'est dommage quand même de tous ces petits cochons qu'on pourrait faire des saucisses. Lui ramasser. Ça manque de bonjour, c'est moi. Je vais en faire un petit peu. Oh, j'ai failli me mettre une pelle. Ça, c'est un truc que je pourrais faire en vrai. C'est pas mal. On l'a jamais fait, les mômes? Ça vous est jamais arrivé? Faire le con sur un petit portail comme ça, essayer de passer par-dessus alors que le truc est ouvert. C'est très classique et c'est signe. Une fois qu'on a commencé à mettre le pied ou la main dessus, dans le dixième de seconde, on a déjà compris ce qui va arriver, que ça va être pathétique et tragique. Et il me plaît bien celui-là. Comme quoi, finalement, faire reluire la carrosserie, si le moteur à la base n'est pas intéressant à fond. Ça sert peut-être pas à grand-chose. Maintenant, on va voir ce qu'il va me présenter, s'il y a des énigmes, des trucs comme ça, ou des choses un peu plus complexes. Qu'est-ce que c'est, cette bestiole? Une bestiole qui grince. C'est des piou-piou! Bah alors, les piou-piou, qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être m'en bouffer deux, trois pour la route. C'est bien foutu hein, comme ça pose l'ambiance. Alors ici nous avons un dortoir à animaux. Et des pioupiou qui n'ont pas compris qu'ils allaient pas tarder à rejoindre un dortoir, probablement. Ouais, j'avais un début d'idée là. Calmos, les capos. Et maintenant, logiquement, on va faire tous les gens qui sont super surpris et qui n'ont aucune culture cinématographique. Donc, il n'y aura pas de personnage avec un masque de cuir et une tronçonneuse, par exemple. Kezawak. Sawak, que ça n'est pas branché. Bien. Bel engin. Là, je suis un petit peu fucked up, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, truc classique des jeux vidéo, c'est que pour vous donner des indices, quand vous êtes un peu paumé, vous regardez la tête du personnage. Et souvent, les devs sont assez généreux pour vous laisser des petits indices en regardant dans la direction où on regarde le personnage. Pas arrivé.
Yeah. Bon. Logique. Bon, si vous avez des enfants qui regardent le stream, c'est peut-être l'heure de leur mettre une connerie à la télé ou sur une tablette. Vous voyez le jeu en lien? Je sais pas du tout si ce jeu est gore ou pas. Mais devant les probabilités, je vous invite à suivre mon conseil, quoi. Allez, on y va. Piu-piu! Regardez les piu-piu! Mais ça marche! Moi, je vois déjà la scène. À moitié entre Fargo et ce fantastique film où deux bouseux vont se décontracter et en fait des jeunes les prennent pour des psychopathes dans la forêt. Il y a plein d'accidents qui arrivent et en fait, à chaque fois, tous les jeunes meurent par accident. Et c'est pur fonda. Tucker vs Evil, un truc comme ça. Ha Actionne cette manette! Bon, ils sont pas transformés en steak haché, c'est dommage. Les pioupiou! Oh, ils étaient où les pioupiou? Oh, ils étaient où les pioupiou? Oh, quoi, il est là-bas? Ça en gâte, les pioupiou, hein. Trop fier d'avoir inventé la mitrailleuse à piou-piou. Alors franchement, si Little Nightmares était aussi souple que ça à utiliser, alors j'ai vu sur une version PS4 qu'il n'y avait pas les problèmes de framerate que j'ai pu vous faire voir. Et j'ai observé qu'en plus sur les replays du stream, il y avait l'encodage par-dessus qui vous faisait sauter 4 images sur 5, grosso modo. Donc oui, vous n'avez pas vu les meilleures conditions pour voir le jeu. Et je ne les ai pas eues moi non plus pour le pratiquer, quoi. Là, quand même, c'est une bonne nouvelle, c'est assez souple. Hein. Alors. Ouais, bah. Fallait que j'essaye. Ah, occasion de découvrir les checkpoints. Ok. Donc, passer par là, tu ne peux pas. Non! On a vu que tu pouvais pas. C'était pour être sûr, voir si c'était pas un bug du jeu. On est bien d'accord. Passer par là, tu ne peux pas. Et on reste sur un plan 2D. Donc, un passage ailleurs plus haut. Je vois pas d'autre passage. Si je ressors et j'avance un peu, je vais me faire tacler par les super méchants là.
Oui, un endroit va y avoir une pente pour pas que je remonte. Probablement. Je suis désolé pour les détours. Hein. Il n'y a pas de triche, c'est mon premier lançage du jeu. Je trouve ça bizarre qu'on nous fasse parcourir tout ça. On doit y avoir une solution là-bas que j'ai pas vue. Alors ça va être mon grand problème, je pense, dans ce jeu, comme dans son prédécesseur. Passer à côté des choses. Ils me font rire, ces poussins. Puis ça me perturbe un peu de ne pas pouvoir profiter de la profondeur de champ, en fait. Vraiment marcher sur une ligne, c'est trop, trop bizarre. Là-haut, est-ce qu'il y aura encore un truc? Je pense pas, mais bon. Je l'aurais eu. Puis vu qu'on est sur une ligne imaginaire, ouais, non, ça change rien. Alors. Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai absolument pas d'indice. Alors je pourrais faire le saut de la foi sur le tas de barbac en bas. Ça me paraît un peu cartoon, mais je vois que ça. C'était bien ça. C'est agréable quand ça marche du premier coup que ça va vite. Hop, le papier. C'est ce truc. Les asticots. N'y a rien à en faire. En tout cas, ce petit gars est bien plus souple que moi dans la vraie vie. Hein. Allez. Je suis donc mort en ouvrant la porte. Je n'ai pas ouvert la porte, ce charmant petit goré l'a fait pour moi, mais. Pas une touche pour courir. Il m'a défoncé. Une touche pour courir. Non, tu n'en auras pas. Allez. Ne reviens pas! Il ne revient pas! Va me suivre, lui! Voilà qui est pratique! Qu'allons-nous?
Alors, il n'y a rien à activer, ce qui est bien dommage. Et mon ami. Comment ça se fait qu'il n'y a rien à activer? Ah, puis ces gens qu'on peut pas aller voir au fond s'ennuient. Et qu'on ne peut vraiment pas les voir. Tristesse. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu étais possédé par le mal, petit cochon. Bon, en tout cas, je suis coincé par pour de vrai, moi. Alors, on va essayer de sauter sur ça, tiens. Ceci dit, électricité plus flaque d'eau, je n'y vois pas un très très gros avenir. D'accord. Je suis connecté à ces gens qui font des choses pour moi. Alors. D'accord, je contrôle tout ce petit monde. Oh, ça devient tordu là. Je sens que ce jeu a toutes les capacités pour me donner un gros mal de tête. Alors ça marche pas. C'est trop bizarre de conduire ces gens. En plus, je vois pas trop où on veut en venir là. À part s'il pouvait me faire rouler ça vers moi. Donc on va se reconnecter. Voilà qui règle totalement le problème. C'est pas mal trouvé ça. Alors ça me rappelle un autre jeu, mais je crois que c'est développé par la même boîte. C'était pas Limbo ou un truc comme ça. Le problème, c'est que Limbo, c'est le genre de jeu qui me donne vraiment mal à la tête, quoi. J'aime pas trop. Mais on va voir. Je vais aller rouler là-dedans. Apparemment, le concept du jeu, il y a un dérivé qui est repris. On va voir si ça fait juste mal à la tête. Du soleil. Ça fait du bien du soleil parfois. Hein. Donc les gens se font enlever pour que je les contrôle plus ou moins, c'est bizarre. Ok. Des pioupes. Il reste pas cela. Alors, ce truc tout là-haut, on est bien d'accord qu'il est fait pour tomber. Un beau coffre comme ça, qui demande que ça.
Qu'est-ce qu'il va me mettre comme piège à la noix? Un interrupteur. Bon, pour l'instant, il y a une échelle et rien de dramatique. Vu de tout là-haut, qu'est-ce que ça donne? Ah, on ne peut pas bouger la caméra, ça ne sert à rien. C'est le petit détail auquel il faut penser de temps en temps quand même. Tu ne peux pas bouger la caméra, rappelle-toi. Bon, bah, le jeu s'arrête là, je ne peux pas passer, je suis bloqué. Non mais pour de vrai, sans deck. Walk this way. Not this way. She told me to. Bon, t'es à fond là, gars. Alors, le raisonnable voudrait que tu te fasses de quoi monter. Je pense que la bonne hauteur pour être ça. J'arrive à monter là-dessus, hein? Non. Bien sûr que non, je n'arrive pas à monter là-dessus. Mieux. Beaucoup mieux. Alors, le début de l'idée est là. Maintenant. Si je monte, ça va bugner contre le haut, ça va pencher. Je sais pas, je suis utopique, utopiste et plein de bonnes idées. Fuck. Moralité, les utopies, c'est de la merde. Donc, je sèche un peu la coco. On peut orienter ça et on peut le. Si on peut l'orienter, il y a une raison. Suis pas très bon en énigme, hein. Mais bon, ça vous l'aviez peut-être un petit peu deviné. Alors, si je passe par au-dessus, je me le mets plus haut, machin, patin, couffin. Voyons quelle distance je saute déjà. Ouais, ça va le faire. On va y aller pas trop prétentieux, histoire de pas être déçu. Non! Oh la guigne. Dites donc, elle n'est pas très très épaisse cette planche, sauf erreur de ma part. Un, tu pousses, deux, tu te barres. Tu te barres. J'avais plutôt bien fait. Alors, ça m'a fait un trou tout en bas. Ok. De toute façon, hein. C'est quoi ce truc?
aucune idée de ce que je viens de faire. Et là, je peux me brancher sur un casque encore. Je vais voir de l'autre côté ce qui se trame. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Soit. J'ai pas tout compris. Là, il y en a un qui va être embuté. Quand il est embuté, il va venir rejoindre l'autre. Et voilà, j'avais même pas remarqué les dalles à pression au sol, c'est vous dire si je suis nul. Je le savais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire comme blague? Il con. Oups, je crois que Arg. Qu'il va tout refaire. C'est pas vraiment très gentil, ça. Alors, si on rajoute un bruit de motocross, là, c'est carrément le jeu vu de côté, là, comment il s'appelle? Accroche-toi au truc. Ah, sage. Comment il s'appelle? MotoGP, Moto, je sais pas quoi. C'est ensemble, hein? Bon, je vais jusqu'en bas. Ouais. Hey, les gars! Vous aussi, vous allez à la soirée gothique? Cool, conformiste.
Eh oui, vous l'aviez tous reconnu. Nothing. OK. Applique-toi. Non, tu n'as pas envie de t'appliquer. OK, on va faire ça. Si tu ne sais pas sauter à cette distance. Explique-moi donc ce que tu peux bien faire, mon pauvre petit. Parce que là, je suis ennuyé. Monter, descendre, droite, sauter. Que dalle, trop loin. Alors, sauter, que dalle, trop loin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, de pousser l'échelle, comme un abruti. Pousse l'aisselle. Pousse l'échelle. Et abonne-toi, c'est choche. Allez, hop. Alors, tout de suite, dès qu'on vous présente une grosse ombre comme ça dans un jeu aux couleurs aussi chouettes, chatoyantes, c'est sûrement que ça va être ton prochain meilleur ami. Je sais pas pourquoi, mais je le sens un petit peu comme ça. Et je n'ai aucune inquiétude. Et ce n'est pas ce cadavre à droite qui va contredire tout mon optimisme. Feu. Ah, mais il y a une manette. Je vais regretter cette manette, je le sens. Moi, je vais regarder d'abord quand même ce qui se passe. On dirait les robots qu'il y avait sur la Nintendo. Sur la NES. Ça ressemble à quoi ça? C'est pour ça que je me méfie, moi. Oh, et les gens, ils dorment tous. C'est incroyable, ça. Et donc là, j'ai mon issue. Ok, donc je vais activer, à grand regret, cet interrupteur qui ne va surtout pas activer ces sentinelles. Hein, on est bien d'accord. Et que je ne devrais pas passer en esquivant, en faisant moult péripéties sur lesquelles je mets souvent de la mauvaise volonté, je dois l'avouer, c'est vrai. Feu. Oh, ça marche bien son truc. Il te tire un câble paralysant directos. Il me faut le même. Regarde là-bas. Hop, j'y vais tout de suite derrière le pylône. Derrière. Bien entendu, ils sont pas synchro, ça serait trop bien. Et là, ça va le faire. J'espère que je peux ouvrir ce bousin. Mal! C'est marrant comme les évidences sont souvent décevantes. Bon, il y a bon au premier, il y a faux au deuxième. Est-ce que je vais devoir ramasser un mec par terre? Non, pas là. Là non plus. Là, je le sens bien, là, je le sens bien. Vas-y, petit Saturnin. Et ne bouge point. Alors, mets ta vie que. Mais lui, il va trop vite, là. J'arriverai jamais. Un, deux, trois, quatre secondes pour ouvrir une porte qu'on demande 10. Je sèche un petit peu. Je veux bien réessayer, mais je pense que bon, ça va aboutir à la triste même chose. Et puis ils ont du réflexe, hein. Dès qu'on met une patte dehors. En tout cas, je les aime bien, ils sont simples et efficaces. Vais enchaîner. C'est la microseconde. J'aime jouer au con. J'aime beaucoup.
Bon, je pense qu'il faut grimper là-dessus. On va se donner cette opportunité. De toute façon, il y a deux boutons. Action, ça ne marche pas. Donc grimper, ça doit forcément fonctionner. Non, ça marche pas. Bon, il y a un truc que je n'ai pas fait. En toute logique, il y a une chose que je n'ai pas faite. Ah, ça manque un petit peu la profondeur quand même. On est vraiment collé sur une ligne, c'est pas super marrant. Bon, patati patata, j'arrive là. En fait, faut peut-être que j'ouvre cette porte et que je la bloque avant d'y aller. Hein? C'est pas ce qu'une personne un peu plus maligne ferait. Fait, une personne maligne aurait fait ça dès le début. Mais on va faire comme si c'était le début. Alors, oh, j'arrive dans cette nouvelle pièce. Mais qu'est-ce que c'est donc? Des sculptures de caméras de surveillance. Bien, que ne vont-elles pas faire? Jusqu'ici, c'est pas mal. Cette impression d'être surveillé, c'est étrange quand même. Jump. Who's bad? On va se quitter là-dessus parce que échouer sur un principe aussi couillon que le jacadi, c'est quand même grandiose et je pense que je suis un des rares capables de cette performance. Je pense qu'on va reprendre les streams de ce jeu, voir un peu plus loin où il veut nous emmener parce que c'est pas mal du tout quoi. Je l'aime beaucoup. Le Little Nightmares était très très joli, mais très pénible à pratiquer. Celui-ci est beaucoup moins joli, quoique il a sa patte.
et il est carrément beaucoup plus fun à pratiquer. Sur ce, je coupe le stream et on se fait une petite suite très bientôt, je pense. C'était donc Inside. Ciao.